essayé un jeu chez Shane. J'avais déjà fait une vidéo avant, mais je trouve pas qu'elle est top, top, top. Il n'y a pas assez de coupures de montage. Enfin, quand j'ai essayé tout ça, quand j'ai essayé les vêtements, ça n'a rien à voir. Dans le but de la vidéo, j'essaie de faire le nécessaire. Donc, je recommence. Donc là, c'est un joli, on va dire kawaii, duochrome, alors violet et bleu. J'aime beaucoup. Il y a une capuche derrière. Ça, je valide. Donc ensuite, j'ai mon trench que j'avais du mal à faire voir certains articles en vidéo avant. Donc je recommence. Ensuite, il y a celle-là. Il y a un beau trench de Schtroumpf. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de produit. C'est vraiment assez fin, pas trop couvrant. Donc ça, c'est bien quand il fait beaucoup meilleur dehors. Parce que là, on est en plein mois de janvier. Il caille énormément. Et ça, c'est pas du tout un temps pour aller dehors. Sauf si vraiment on est en beaucoup de chaleur ou que sais-je. J'aime bien. Par contre, les boutons d'un pain, ils sont pas très 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 solides. Voilà, sinon j'aime beaucoup. C'est beau, j'aime bien, c'est des choux. Le principal. Ensuite, j'ai ce pull-là, il est très très confortable. Il est un peu doublé. On sent que c'est un gros pull d'hiver. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a le logo, il y a ce logo-là qui m'a interpellée. Je sais pas si tu vas bien voir. Voilà, là tu verras peut-être mieux si je m'approche. Et j'aime beaucoup. Très 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 très, très simple, mais à la fois chou. Tu vois? J'aime beaucoup. Pas trop long, mais ça va. Donc, pour l'instant, c'est tout est validé. Article suivant, un joli t-shirt avec des motifs colorés. Voilà, c'est des le signe des métalleux avec le motif du squelette en main. J'aime beaucoup. Il est grand. Donc ça c'est idéal pour mettre avec un cycliste quand il fera meilleur. Voilà. Comme ça. Il est magnifique. J'aime beaucoup. Et désolé, c'est mon rêve qui fait dans le break en Malaisie. Ensuite, j'ai acheté un leggings très sexy. Oui, il est transparent, c'est normal. Donc, je m'en fous, je parle de mon corps. Si t'as honte de ton corps, c'est ton problème. Mais il ne faut pas avoir honte. Donc, un leggings assez transparent, taille large. Donc, limite, je pourrais mettre un collant en dessous ou un cycliste noir. Et j'aime beaucoup les deux petites matières là. Parce qu'il est dingue, comme tu peux le voir. Comme avec ce que j'ai acheté il n'y a pas très très longtemps. Il est bien transparent au niveau derrière, donc je ne vais pas vous montrer non plus, il ne faut pas exagérer. Si j'avais bien mon truc, on ne verra pas. Non, on ne verra pas du tout. Donc, ouais, voilà, c'est très bien, c'est très confortable. Ah, pour l'instant, c'est un sans faute, hein. Shane Curve, pardon. Voilà. Et maintenant, on va passer aux autres produits. Alors, j'ai acheté des petits doudous. Alors ça, j'ai maintenant en collection. Des petits carrés comme ça. Les chrons. Il est trop, trop, trop beau. Voilà. Ça, je rendrai bien à un bébé. Je pense que ça va lui intéresser. Donc là, c'est les chrons avec un paquet cadeau et un gâteau. Là, c'est la version chrons fête. Avec un petit chrons qui rigole. Et ça va, la qualité n'est pas trop trop dégueulasse. Voilà. Ils sont tout petits. Hein. Bah oui, ça c'était spécial, je trouve. Enfin, ça, je ne l'ai pas raté ça. Ensuite, un autre produit avec uniquement la chconfette. Bon, les petits carrés, pas trop trop grands. C'est vraiment une édition spéciale, je trouve, en partenariat avec Shane, d'après ce que je comprends. Ça, je n'allais pas m'en priver. On met un petit peu plus près les dessins. Comme vous pouvez pas voir, c'est vraiment magnifique. Il y en avait 3, 4 sacs. Ouais. Le schrumpf.
Le grand schtroumpf. Il est trop trop beau ce truc-là. Très très joli. Donc là, il y a un petit peu de tout de schtroumpf. C'est schtroumpf. Un schtroumpf et un schtroumpf qui rigole, j'ai l'impression. Voilà. Très très joli. Voilà. Ensuite, on va passer au maquillage. Alors, j'ai acheté des petites choses que je vais vous montrer. J'ai acheté une petite poudre. Comme ça, poudre libre. Bien. Je sais pas si tu vas bien voir les petits reflets. Je ferai un petit topo prochainement. J'adore les poudreries comme ça. Et c'est une petite poudre libre aux reflets blancs et verts. Bah plus licorne. Je sais pas, j'arrive pas à vous faire voir les reflets. Corallée comme ça. Très très jolie poudre. Tu vois bien les reflets là. Voilà. Donc ça c'est magnifique. Un petit truc comme ça, un petit emballage individuel, évidemment. Holographique. Et la teinte, je sais pas. Je ne saurais pas vous dire. C'est. Il n'y a pas de teinte spécialement. Il n'y a pas de teinte du tout. Oh, c'est dommage que vous ne voyez pas. Ah, c'est un très très beau blanc avec des reflets verts. C'est juste magnifique. Et c'est que des paillettes. La fine poudre de paillettes. C'est trop trop beau. Après, j'ai eu ça. Un fard gel pailleté. De toute beauté également. Je vais recommencer les vidéos, tant pis. Mon faut j'aime bien que ce soit bien fait et clair. Parce que si c'est confusant, c'est pas la peine. Là, il y avait très très fine paillette en gel. Est-ce que tu vas bien voir? Blanc avec des reflets bleus et c'est trop trop beau. C'est juste magnifique. Par contre, ça pue. C'est dommage. Là, c'est la couleur purple. Hein. Purple. Très vraiment très très bien présenté. Bien soigné, comme on aime. Et j'ai acheté des chaussettes Alien. Très 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 belles. Voilà. Ça fait que mon troisième truc d'Alien. Après, j'ai acheté quoi? Des boucles d'oreilles. Des schtroumpfs. Très très joli aussi. Voilà. Comme ceci. Très très joli. Il y avait. De schtroumpf normal, de schtroumpfette et de champignons. C'est très bien, je vais pouvoir m'amuser avec. Enfin, oui, être sur moi. Et j'ai acheté un duochrome. Et la boîte, elle est trop trop belle. Allez, c'est parti, on va l'ouvrir. Et donc, il y a tout ça. Il y a des petits diamants, des petites strass à coller. Et je vais faire une photo. Comme ça, ce sera ma miniature. Allez, c'est parti. Je verrai bien. Ça pourrait être intéressant. Et les petites miniatures, elles sont trop, trop, trop jolies. Et ça, c'est que des petits, comment vous dire?
des strass ou des petits flocons de paillettes. Trop trop jolis. Focus, bonjour. Voilà, c'est comme ça, c'est trop trop bon. Attends. Allez. Pas le focus, il va pas se faire. C'est pas grave, je vais l'ouvrir. Voilà comment ça se présente. C'est trop beau. Je suis en forme de diamant. Oh, c'est trop beau. Donc je vais l'ouvrir, je ne l'ai pas encore ouvert. C'est vraiment très très joli. Ensuite, je vais s'imprégner un petit peu. Je vais vous montrer. Oh, regardez-moi ça, c'est trop beau. Oh putain. Et c'est super joli en fait cette histoire. Je sais pas si tu te rends compte, mais waouh! C'est juste très 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 joli à regarder. C'est époustouflant. Ils sont très joli. J'ai l'impression qu'ils sont au contact du reflet de la lumière. Fluorescent. Là c'est la Tilum 4 Flash Gel, non Fleck Gel, Gel pailleté Cosmic Pearl. Donc là c'est un teint Cosmic Pearl, c'est trop beau. C'est trop beau. Oh, je vous écoute, vous allez pas le voir. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Voilà, tant pis, j'aurai peut-être mieux. C'est pas grave. Tu verras mieux là. Voilà, tu verras mieux, je pense. Voilà, c'est pas grave. L'écriture, tu vois, elle est à l'envers. Et je vais vous montrer au hasard le crayon. Il est bleu reflet turquoise. Regardez. C'est trop bon. Voilà, comme ça c'est bien. Et regardez comment il est beau. Il est reflet. Ça va faire trop beau. Et comme le bout, au bout, il y a un petit estompeur. Ça, c'est la teinte One a Trip. C'est trop trop beau ce coffret là, je vais adorer. C'est trop beau. Oh, il est pas idiot. Voilà, voilà, ce retour de retour au shine, habillage, maquillage.
déballage est maintenant terminé. J'espère qu'il t'aura plu. J'ai hâte de tester tout ça en vidéo. En tout cas, le maquillage. Et puis, voilà. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions à me communiquer, n'hésitez pas aussi. Je compte faire aussi plein de vidéos. J'ai des idées en tête. C'est moi, il faut que je prépare tout ça. Voilà un petit peu ce que j'ai à vous dire. La tête, fait pas trop la tête. Hein. Je vais pas toucher au coiffeur à domicile parce que ça n'a rien moins cher. Je vais vous laisser là. Comme tu connais le principe, si tu veux rien rater de mes vidéos, abonne-toi. N'oublie pas d'activer la petite cloche. M pour me soutenir si tu as aimé. Bien sûr aussi, ça va dans les deux sens. Qu'est-ce que je vais vous dire? Commente si le contenu t'a plu. Et puis partage si tu as envie de me faire découvrir ma chaîne YouTube. Et n'oublie pas, il y a mon réseau Instagram. Et je poste souvent des choses sur Instagram. Des bisous. Il est trop beau, ouais.